Bienvenue dans le deuxième Spooky Vlog. Donc faites pas attention à ma tête, j'ai pseudo attaché mes cheveux, voilà, tout simplement. Il est 9h54 et j'ai plein de choses à faire. Et j'ai rien foutu, je suis réveillée depuis 5h30 du matin et j'ai pas foutu grand chose. Voilà. Déjà, il faut que je vire tous les cartons du couloir, que vous ne voyez pas trop le bordel, mais c'est un bordel sans nom avec tous mes colis. Et pour que Chérie puisse avoir accès à la cave tout à l'heure quand on revient de chez la kiné, parce que apparemment il y a une fuite. On entend de l'eau couler à la cave. Voilà. Chouette. Donc il ira voir ça tout à l'heure. Voilà pour ce que je dois faire absolument ce matin. Donc pour le week-end, vendredi j'ai fait mon gâteau aux poires, il était bien bon. J'ai fait le montage des décos de résine pour vendre et pour pas vendre, pour moi. Et j'ai remis le fond d'automne puisque j'ai terminé moi les vidéos d'Halloween, donc voilà. Le samedi j'ai commandé une manette sur Amazon. Elle est trop belle. Tada ! Voilà, avec une petite licorne. Donc c'est une fausse Xbox, hein. Je l'ai payé 20 balles. Et je l'ai eu le lendemain, donc dimanche. J'ai ma belle-sœur qui est passée avec le petit et mon beau-frère l'après-midi avant d'aller au cinéma. Donc coucou Coco, tata elle te fait un gros bisou. En fait, il regarde toutes mes vidéos et il ne comprend toujours pas pourquoi je ne lui réponds pas, vu qu'il me dit coucou à chaque fois. Et du coup, là, j'ai vlogué un petit bout avec lui, donc je vous le mets juste maintenant. Là, attends, je prends comme il faut. Tu dis bonjour les gens? Tu fais coucou aux gens? Fais coucou. Fais coucou au téléphone. Coucou. Tu vas où aujourd'hui? C'est ma... Et tu vas voir quoi? Manger popcorn. Manger popcorn. Et après, je vois les rarouilles. La pâte patrouille. Oh, tu seras sage. Oui. Faudra pas parler au cinéma. Ah non, faudra pas crier. Faudra rester assis. Tu vas y arriver. Tu vois, tu es dans la vidéo de Tata. Dimanche prochain, quand tu regarderas la vidéo de Tata, bah, tu te verras dedans. T'es content? Hein? Tu dis au revoir aux gens? Ouais. Donc si vous n'avez pas compris, il allait au cinéma voir Pâte Patrouille et manger du pop-corn. Voilà. Donc mon petit loulou, Tata te fait plein de gros bisous. Voilà. Petit message spécial pour Hugo. J'ai préparé des moules pour faire des plateaux en résine. Alors ça n'a pas été du tout. J'avais fait ça dans des couvercles en carton, que j'ai mis du papier sulfurisé. Alors non seulement le papier sulfurisé rend le fait le rendu mat, donc il faut que je vais essayer de les bomber avec du brillant, mais en plus c'est trop épais, c'est trop lourd, ils sont pas droits. Je suis dégoûtée parce que ça m'a fait utiliser énormément de résine, d'ailleurs j'en ai presque plus, faut que j'en recommande. Et bien sûr, encore une fois, ils sont à court sur Résine Pro. Résine Pro, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ils sont tout le temps en cours, à court de stock. Non. Et j'ai encore fait du montage avec mes petits DIY le samedi soir. Dimanche, donc j'ai fait de la résine avec mes foutus plateaux là qui m'a fait épouffer au moins 3 litres de résine sur 4. J'ai fait d'autres choses, hein, mais voilà. J'ai fait ça pendant 4 heures quand même. Voilà. J'ai reçu ma manette que j'ai testée le soir. J'ai refait mes ongles. Alors je vous montre l'autre parce que celle-là, elle part déjà en couille. S'il veut bien faire le focus. Voilà. Donc très soft, hein, très simple, mais totalement de saison. J'ai utilisé mon préféré pour la saison de chez Madame Glam, le Spooky Ponce. Focus.
Voilà, c'est vraiment mon préféré. Et j'ai fait les petits points avec un des feutres acryliques comme ça que j'avais commandé sur Amazon aussi. Je les adore. Je les utilise pour la colorer, la fin, pour dessiner sur la résine, sur la fimo. Même en nail art, vous voyez, c'est génial. Donc vous avez une pointe fine et une pointe pour faire des dots. J'adore ce truc. Et le soir, j'ai fini l'histoire principale de Harvest Moon. Ce qui est bien, c'est qu'il reste encore énormément de choses à faire, toujours des quêtes, donc ça ne me coupe pas l'envie de jouer. Non, Riley file. Oh, elle est... Alors elle m'a réveillée à 5h30, elle est hyper chiante depuis. Hein. C'est affreux. Donc, ce matin, donc on va tester ça toute la semaine, et probablement la semaine suivante aussi. J'ai reçu en partenariat de la marque Imim, donc c'est sur Amazon, c'est une boutique Amazon, un duo de contour des yeux. Voilà, qui se présente comme ça, donc je ne connais pas du tout, je vous mets le lien en barre d'infos, et vous avez un code promo de 20%, donc c'est pas négligeable. Le duo, il est à 20, attendez, je prends les infos, hein. J'ai fait des screens exprès. Qui sont ici. Alors, sauf qu'il m'envoie à moi en Belgique, mais c'est pas livrable en Belgique. Donc, suivant si vous pouvez être livré ou pas, ça va vous marquer qu'il n'y a pas de stock. Je comprends pas le principe, mais ouais. Donc, il est à 23,99€ le duo. Et donc, vous avez 20%. Il y a une crème contour des yeux et un sérum. Et un sérum contour des yeux, c'est à l'acide hyaluronique, vous avez 2 x 30 ml, c'est anti-cerne, anti-poche, anti-âge, hydratant pour hommes et femmes. Mais j'arrive pas à l'ouvrir, donc on ne pourra pas tester, je déchire. Donc voilà, ils m'ont envoyé un message pour voir si je voulais bien tester et vous en parler. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Alors on va tester ça tout de suite. Faut que je trouve, donc ici vous avez le sérum, qui se présente dans un flacon pipette comme ça. Ah, il veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Voilà, donc voilà, c'est, ça a l'air assez huileux et pas trop liquide, donc ça peut être sympa pour appliquer. Et ensuite, vous avez la crème contour des yeux qui se présente dans un petit flacon pompe comme ça. Donc, vous avez une sécurité, ça c'est sympa. Et voilà. Oh putain, c'est chiant ce focus là. Voilà. Alors, j'ai lu qu'il y en a qui voyaient une différence directement après. Donc, on va tester déjà sur un œil et pas l'autre pour voir si on voit une différence directe ou pas. Donc, on va commencer par le sérum. Je vais enlever mes lunettes et comme ça, on pourra faire un avant-après aussi à la fin de la semaine. Donc, voilà le avant. Ouais, sans mes lunettes, ça fait peur, hein. Voilà, donc je vais tester sur un œil le sérum, donc il ne faut pas que j'en mette de trop. Donc je prends juste une petite gouttelette. Ah, vous voyez à peu près. Et on va appliquer ça. Alors, il ne coule pas, ça c'est déjà bien. On en met partout. Hein. Et ouais, une goutte, c'est largement suffisant pour faire tout le tour de l'œil. Il pénètre rapidement. C'est pas huileux, en fait. Ça fait un peu comme de l'eau. C'est super agréable. On sent ça rafraîchit. Et on sent que ça hydrate. Ça tombe bien. En plus, j'ai fini mon contour des yeux Revuel. Donc voilà pour le sérum. Donc moi je sais pas vraiment voir, hein. Je suis pas douée pour comparer les choses comme ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'application. Donc je le mettrai également le soir si j'oublie pas. Bon, on va amorcer le flacon pompe.
a l'air assez chiant. Apparemment, il est assez, assez compact. Donc, pas facile à prélever au flacon pompe. Alors, je vais pas en mettre de trop parce que c'est juste un œil. Donc, vous voyez, c'est assez crémeux. Ça a l'air agréable. Avec la toute petite noisette, là, c'est assez pour faire le contour de l'œil. Apparemment, ça illumine aussi. Ça a l'air quand même que j'ai l'air un tout petit peu plus réveillée de ce côté-là. Quoique, j'ai les yeux bien rouges en plus. Ça permet de bien tester, mais comme je suis réveillée depuis très tôt... Ouais, vous voyez, ici, ça a illuminé quand même. Hein. Écoutez, ça a l'air prometteur. Je sais pas si vous voyez une différence d'un œil à l'autre, de ce que vous avez vu avant. Mais on verra à la fin de la semaine, on refera le avant-après. Et si j'oublie pas, je vais essayer de les tester le soir aussi. Donc, je vous mets le code également en barre d'infos. Est-ce que j'ai d'autres infos? Attendez, je dézoome. Non, je dézoome. Avec les lunettes, on voit bien que ça illumine quand même. Alors, tu réduis l'apparence de tous les principaux signes de vieillissement des yeux. Elle rehausse, repulpe et illumine la peau délicate sous les yeux pour réveiller la fenêtre du cœur usé. Traduction, bonjour. Et la faire briller à nouveau. Les ingrédients anti-rides reconstruisent l'élasticité du collagène autour des yeux tout en hydratant et en nourrissant la peau et en lui donnant une apparence plus saine, répondant ainsi à tous vos besoins d'anti-âge. Donc ça, c'est le sérum. Non, c'est l'anti-âge. J'ai dit n'importe quoi. Donc, appliquez d'abord le sérum, bien évidemment, parce qu'il y a une plus grosse concentration des nutriments, donc ça va plus profondeur dans la peau, pareil pour les sérums du teint, enfin, de la face, stimulant ainsi la micro-circulation oculaire. Conçu pour être utilisé sur l'ensemble du contour des yeux afin de raffermir la peau, de réduire les rides et d'éclaircir les cernes. Formule naturelle et une texture légère et soyeuse qui ne nuise ni à l'environnement ni au corps humain. Et ça, je suis d'accord. Hein, franchement, c'est super fluide. Ça pénètre super vite. Et je sens que c'est lisse. Je sais pas comment expliquer. Je sens que mon contour de l'œil est plus lisse. Donc, je ne sais pas si vous voyez une différence. Mais j'ai hâte de tester ça plus en profondeur. Donc voilà, je remercie la marque pour m'avoir envoyé ça et me permettre de tester un nouveau contour des yeux. J'adore tester des nouveaux produits de toute façon, comme tout le monde. Et voilà, donc code promo et lien en barre d'infos. Le lien sera donc un lien affilié. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur cette chose-là. Vérifiez bien que si c'est marqué indisponible, c'est qu'il ne livre pas chez vous. Donc... voilà, pas de chance. Comme moi, ils ne livrent pas en Belgique. Ils m'ont envoyé, mais ils ne livrent pas en Belgique. Si je mets l'adresse de mon frère en France, ça fonctionne. Comme ça, vous savez. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller déblayer mes cartons en achevant mon film. Moi, je suis sur un film. À mon avis, aujourd'hui, ça va être glandage plus. Mais vraiment plus, quoi. J'ai reçu mon colis Chine aussi, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste des accessoires cheveux. D'ailleurs, c'est une pince que j'ai mis là. Mais je vous montrerai, je vais faire un petit haul, regrouper un peu dernièrement tous mes produits, enfin tout ce que j'ai acheté, comme ça je peux vous mettre les liens quand vous me demandez les liens. Je réintégrerai ça aussi pour ceux que ça peut intéresser. Et voilà,
Donc les premières vidéos d'Halloween vous ont bien plu, je suis contente. Voilà, toute la semaine vous en avez encore eu, et il y a encore lundi et mardi, hein, puisque jusqu'au 31. Et voilà, voilà. Ben écoutez, sur ce, on suit du jour. Alors, il est 9h10. Je viens de filmer ce make-up que vous aurez après les vidéos d'Halloween. Bah, mercredi pour vous, voilà, tout simplement. C'est vrai que... comme ça, j'ai toujours mes 2 semaines d'avance, c'est bien. Là, je viens de voir que... je viens d'avoir le mail pour dire que le calendrier de l'avant était... Glam Shop était envoyé. Donc, j'attends les autres. Hein. J'ai hâte de recevoir le Pélouise. Mais là, il arrive chez mon frère. Alors, j'espère que mon frère sera là pour le réceptionner. Enfin, mon frère ou quelqu'un, quoi. Il y a tellement de monde dans cette maison qu'il y aura bien quelqu'un pour le récupérer. Et qui ne sera pas endommagé, puisque là, je ne serai pas là pour surveiller tout fuite. Tout fuite, tout fuite. Vous voyez ? Donc voilà, là j'attends que les chiens se décident à rentrer pour manger. Et alors la fuite, ben, c'était pas grand chose, c'est la même chose que d'habitude, c'est déjà arrivé une fois ou deux, je ne sais plus. C'est une pièce du bolaire qui fuite, on ne sait pas pourquoi. En fait c'est le joint qui s'use trop vite, donc à chaque fois chérie doit changer, démonter et changer le joint. Là il va voir, on avait regardé pour en acheter une autre, mais on ne trouvait pas la pièce. Pourtant, on a été chez Bricoplanite, hein, donc vraiment le plus gros truc de bricolage du coin, et il n'avait pas la pièce. Voilà, le monsieur des rayons, il savait même pas trop qu'est-ce que c'était comme pièce. Voilà. Merci pour votre coup de main très utile. Donc là, je lui ai dit, on va regarder sur Amazon pour la commander directement sur Amazon. Au moins, sur Amazon, on trouve tout. Donc là, j'ai démoulé mon plateau de Noël. Je vais pas faire des plateaux avec les poignées. Je vais acheter le moule pour pouvoir en refaire avec des poignées. Je vais juste m'en servir comme déco de table centrale. Voilà, je vous montre pas maintenant parce que je vous montrerai ça dans le bilan des DIY du mois. Voilà, je suis toujours dégoûtée parce que ça m'a utilisé beaucoup de résine pour un résultat moins beau que ce que j'espérais. Moins net, on va dire, et trop épais et trop lourd, mais au moins c'est joli, quoi. Voilà, ça fera joli sur ma table. Et voilà, voilà. Ce matin, j'étais en train de me prendre la tête toute seule. Riley m'a réveillé à 6h moins le quart. J'étais en train de me prendre la tête toute seule pour savoir où j'allais mettre mon sapin, en quelle couleur j'allais faire mes décos de table. Genre, il reste quand même 2 mois, quoi, avant Noël. 2 mois et demi presque, quand même. Enfin, j'ai du temps encore, hein. Le sapin, bon, je le ferai un petit peu avant Noël, mais la table, c'est que pour Nouvel An, puisque Noël, pour l'instant, on n'a rien de prévu. Nouvel An, on le fait ici avec mon frère. Et le 6 janvier, l'anniversaire de Sam avec les copines. J'ai le temps, quoi. Mais je me prenais la tête. Je me suis pris la tête pendant 3 quarts d'heure à réfléchir où j'allais mettre mon sapin. Parce que j'ai plus de place. J'ai trop de meubles, trop de cages. Ou alors, faut que je gère les animaux. Mais je pense pas que les chichous vont accepter d'être dans la petite cage de transport pendant 1 mois et demi. Enfin, 1 mois, on va dire. Tous les deux dans la petite cage comme ça. Je pense pas. Mais ce que je pense, je vais enlever le truc là parce qu'ils ne vont pas dessus. C'était beaucoup Luna qui jouait avec. Comme ça je peux gagner quelques centimètres, repousser mon canapé, mon étagère et mettre le sapin ici derrière moi, quoi. Je vois que là, mais je pense que je vais essayer de le faire sur roulette cette année. L'année dernière, je sais plus sur quoi on l'avait mis, je sais plus sur quoi on l'avait posé pour le mettre un peu plus haut pour pas que eux aillent chipoter justement. Mais Luna avait quand même réussi à me bouffer ma guirlande électrique, elle avait sectionné ma guirlande électrique. Et ouais, bébé Luna et ses conneries, hein, elles étaient légendaires. Mais là, je pourrais mettre la barrière, vous voyez, qui va jusqu'au coin du canapé, en fait, ou de mon étagère, pour pas qu'il puisse passer au-dessus avec le canapé, parce que... Punis pas trop, mais Gougou, c'est capable. Voilà, c'était la prise de tête du matin. Et oui, je me prends souvent la tête avec des trucs complètement inutiles, hein, parce que j'ai le temps.
J'ai largement le temps, chérie, me laisse pas le faire. De toute façon, avant que la Saint-Nicolas soit passée. Donc en principe, je le fais 7. En principe. Mais là, comme je vais le laisser un peu plus tard, le 7 décembre, c'est un jeudi. Après, j'aime bien faire ça le week-end tranquille. Parce qu'il me faut monsieur là pour. Quoi que non, il n'installe rien lui. Si, c'est lui qui me met les guirlandes, par exemple, à la poutre ici. Les guirlandes lumineuses, mais ça, si on voit, limite, il peut faire quand il rentre. C'est vrai que l'année dernière, je l'avais fait toute seule. Enfin, de toute façon, je le fais toujours toute seule. Même quand les gosses étaient petits, ils n'avaient pas le droit de toucher ça. Je leur laissais faire l'arrière, des fois. Après, ils n'ont jamais été fort. Fort penchés là-dessus. Parce que j'aimerais bien le laisser jusqu'au 6, l'enlever le 7 par exemple, pour quand les filles viennent. Enfin, il y aura les filles, mon frère et le frère de chérie. Le parrain de somme, quoi. Donc, il y aura du monde. En plus, mon frère a les gosses, donc ça fera encore plus de monde. Ouais, je sais pas. Je pense quand même qu'on le mettra le 7 ou le 8. Hein. Après, c'est vrai qu'une fois que Noël est passé, je suis vite lassée de mes décos de Noël. Hein. J'aime bien les avoir avant, longtemps avant, mais une fois que Noël est passé, je suis moins dans le mood. Vous voyez, le mood, il passe très vite une fois que Noël est passé. Mais bon. Parce que j'aimerais bien garder l'étagère quand même que vous voyez, puisque je vais mettre le calendrier de l'Avent Pélouise là au-dessus. Je ne sais pas, ou alors je la mets comme ça, vous voyez. Mais bon, ça vous fera un plateau blanc. Enfin, quoi que je suis devant. Donc, ouais, il vaut mieux que vous voyez le sapin, en vrai. Je sais pas. Voilà. Dites-moi si vous avez des idées de comment mettre mon sapin. et voilà. Bah, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Hier, j'ai reçu ma petite commande chine. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, je reçois Tému. Je vous l'ai déjà dit. Alors, il n'y a pas grand-chose. Je filmerai un haul le mois prochain. Où je vais tout regrouper en fait les derniers achats que j'ai fait, mais je crois que je vous l'ai déjà dit aussi. Oh là là, je vais me taire parce que je dis que des. Je radote, je me fais vieille. Là, je vais filmer mon décloteur et. Attends, le facteur. Oui, je ferai peut-être le décloteur après que le facteur ou après la sieste, quand même. Je dois ranger mon petit bordel. J'ai déjà rangé les cartons. J'en ai gardé deux pour les concours. Concours d'Halloween. Vous l'avez déjà eu ou pas vous? Attendez. 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 Non, pas encore. Mardi, je vous fais un petit concours. J'ai rikiki, hein, mais voilà, j'ai rangé. Et voilà. J'ai gardé un long allongé pour remettre dans la cage des chichous. J'aime bien ce format-là. Et j'ai des bricolages à faire. Voilà, tout simplement. Du montage, du ménage, du rangeage, du dedotage. C'est pas facile d'être moi, hein, faut le dire. Allez, je vais aller chien, donc je vais aller les nourrir. Et sur ce, bah, nous, on switch de jour. Alors, il est 9h35. J'ai eu la super idée. Donc, je vous prends, avant de revoir la deuxième fois cette super idée, de cliquer sur un film de Noël. Du coup, j'étais à fond dedans. Mais en même temps, je suis réveillée depuis 5h30. J'ai été me coucher à 22h parce que hier, mal de crâne encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant mal la crâne. Autant mal le crâne en ce moment, mais ça devient fatigant. Je me suis réveillée de la sieste avec le mal de crâne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, tout simplement. J'étais en train de faire mes bricolages hier soir et en espérant que ça passe, j'ai pris un cachet, j'ai été me coucher parce que j'ai laissé tomber mes bricolages. Dit, tant pis, il faut que je dorme. J'ai trop mal. Donc j'ai été me coucher, j'ai pas super bien dormi, mais au moins le mal de crâne est un peu passé. J'ai encore cette gêne là tout le temps dans le crâne, mais enfin vraiment la barre ici, là, je sais pas si ça m'énerve. Faut que je recolore mes sourcils aussi. Je vais peut-être faire ça, tu vois. Il faut que je remonte, je vais me descendre. Là j'ai préparé aussi tout ce qu'il fallait pour filmer une vidéo ombre. Je parle et à Silver qui sort, voir ce que je raconte. Voilà, comme ça je vous mets un petit nail art puisque j'ai pas eu de nouvelles offres de partenariat avec Madame Glam. Du coup, ça sera encore des vernis Madame Glam, mais c'est ce que j'ai le plus hein, du coup.
D'ailleurs, ça commence à m'inquiéter un peu. Je me demande si, si tout va bien pour la personne avec qui je suis en contact. Je pense que je vais lui renvoyer un petit mail pour être sûr que tout va bien. Hier soir, j'ai reçu une nouvelle offre de partenariat pour des diamond painting et des numbers, des paints by number, là, vous savez. Donc, ça vient de Chine. On va voir hein, ce qui est. Si ça se fait, elle m'a dit qu'elle me les envoyait dans les plus brefs délais. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais voilà, j'en ai trouvé 2-3. Elle m'avait demandé de faire une sélection. J'en avais sélectionné 6 et il m'en envoie 3 sur les 6. Donc bah, écoutez, je trouve ça sympa. Donc on verra ce que ça donne, hein, si je reçois et tout ça. Parce qu'il y a des fois des offres de partenariat que soit on répond et après on n'a plus de nouvelles, soit ils nous disent qu'ils nous l'envoient puis on ne le reçoit jamais. Donc voilà, ça peut arriver. Hein. Après, je réponds pas souvent. Là, les trucs par les diamond painting, ça fait plein de fois que je reçois des mails. Et je sais pas pourquoi sur ce site-là, j'ai été voir et j'en ai trouvé des intéressants. Les autres, je passais à chaque fois parce que ben parce qu'ils insistent de trop. Et moi, quand ça insiste comme ça, que ça commence à être limite du harcèlement, ça m'énerve. Je bloque l'adresse mail. Genre je recevais 2 mails par jour pour voir pour des partenariats avec eux alors que j'avais beau leur dire que ça m'intéressait pas parce que le mail n'était pas formulé de manière vous voyez c'est vraiment ils chopent des adresses mail et ils envoient le même mail à tout le monde là c'était formulé un peu plus ciblé on va dire même si je me doute que c'est le même mail qu'ils envoient quand même à tout le monde mais ça avait l'air d'être un peu plus voilà on a vu votre chaîne on a vu que vous faisiez des DIY voilà merci au moins quelqu'un qui a été vérifié quoi les autres c'est vraiment le même message pour tout le monde et ça j'aime pas voilà quand ça envoie à gogo comme ça voilà tout simplement oui je suis difficile hein, même pour les partenariats vous m'excuserez. Donc ce matin j'ai remis le contour des yeux en parlant de partenariat hein. Je ne l'ai pas mis hier soir parce que ben, du coup comme j'étais pas bien j'ai été me coucher, j'ai même oublié de prendre mes cachets je vous jure que ça lisse hein. Je sens que mon contour de l'œil il est super lisse, je ne sais pas si ça se voit hein, au bout de quelques jours là. Alors ne faites pas attention à mes cernes hein. Ça je crois que à part de la magie ou une opération, il n'y a pas grand chose qui ferait les yeux tout rouges en plus tellement je suis fatiguée. Mais c'est super lisse, quoi. C'est super doux, super lisse le contour des yeux. J'aime beaucoup. Et ça hydrate bien. Maintenant, est-ce que c'est anti-rides? C'est pas au bout de quelques jours que ça se verra, ni pour la pigmentation, ni les poches et tout ça. Hein. Mais lissé et illuminé, ça je confirme. Hein. Au bout de quelques jours, vous voyez ici comme c'est quand même plus illuminé. On voit. Et je vous jure, c'est tout doux. J'aime bien, oui, voilà, j'aime bien caresser mon contour de yeux. Voilà pour ça. Oups, je dézoome. Ouais, sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Je sais pas ce que je vais faire. Faut que je colore. J'ai plein de choses à faire, hein, mais je suis tellement flagada avec ce mal de crâne. Là, en plus, j'ai pris un cachet hier, donc forcément, je vais être flagada pendant 2 jours. Matin j'ai fait sortir les chichous, ils sont sortis quelques heures là, ça leur a fait du bien, ils viennent de rentrer il n'y a pas longtemps, donc ils sont sortis 3 heures, ça leur a fait du bien, puisque hier je les ai pas fait sortir, le matin j'ai filmé, l'après-midi j'étais pas trac, et du coup ils sont pas sortis hier, donc là je les ai lâchés jusqu'à ce qu'ils rentrent eux-mêmes dans la cage. Je réfléchis, hein, mais je crois pas que j'avais autre chose à vous dire. J'ai été piqué juste dans la nuque, là, déjà où j'ai mal à cause de mes douleurs. Et en plus, j'ai mal maintenant parce que j'ai une big piqûre que j'arrête pas de gratter. Je saigne. J'ai une dose, un truc, là. Je vous jure. Je réfléchis. Quand je réflecte, ça peut prendre du temps. Ouais, donc je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais au moins colorer mes sourcils. Comme ça, c'est fait. Ça prend pas longtemps. Et je peux le faire devant un film de Noël. Ou autre. Je sais pas. Film de Noël, film d'horreur. C'est la même chose. Pas du tout. Il faut que je demande à Georges qu'il me fasse
la cage des chichous aujourd'hui. Ah bah non, du coup je les ai fait sortir ce matin. Donc je lui ai demandé qu'il me le fasse demain. Comme ça ils sortiront l'après-midi. J'ai fait deux montages de vidéos ce matin, quand même, à 6h au matin. Voilà, donc comme ça ils sont en ligne. J'ai fait du coup le dernier DIY, hein. Je vous ai dit qu'après j'en ferai plus, sauf bah, par exemple là pour le calendrier de la vente de Noël, je pense qu'il y en aura quand même quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns pour Halloween, mais après j'en ferai plus parce que ça fait vraiment pas de vue, donc c'est que ça vous intéresse pas plus que ça. Du coup, moi je vais continuer à les faire et je vous ferai un bilan à la fin de chaque mois de ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement, ça sera plus simple. Pour ceux qui aiment bien m'acheter des trucs, bah au moins comme ça vous verrez le rendu de tout ce que j'ai fait sur le mois. Et voilà. J'ai mon calendrier Glam Shop, j'ai reçu le suivi GLS, donc je pense que fin de semaine ou début de la semaine prochaine je l'aurai. Ça change rien puisque je dois quand même attendre le 1er décembre pour le déballer. Hein. Mais j'aimerais bien que Pilouis s'envoie. Je sais que c'est qu'en novembre, hein, donc j'ai encore un peu le temps. Mais parce que comme il doit être livré chez mon frère, j'aimerais bien avoir le suivi pour pouvoir l'informer de quand est-ce qu'il va arriver. Parce que si celui-là il va au dépôt, c'est risqué. Parce que si vous voyez l'état du dépôt, alors je ne sais pas par qui ils vont l'envoyer. Hein. C'est par qui la dernière fois que j'avais dû aller chercher Maki Beauty, c'est GLS je crois. C'est dans un garage. Voiture. Mais si on peut appeler ça un garage, en fait c'est juste une espèce de grand entrepôt dégueulasse de chez dégueulasse. Et il vous stocke les colis là dans un petit coin du garage tout crade. Voilà quoi. Ça donne pas envie que mon colis arrive là-bas. Donc on verra bien qui c'est qui livre. Je ne sais plus du tout qui c'est. Enfin, non, bah, Pélouise, j'ai jamais commandé. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai pas de frais de douane. Parce que vu le prix du calendrier et des frais de port, ça ferait un petit peu chier qu'il y ait des frais de douane en prime. Hein. Pourtant, ça arrive très souvent avec Pélouise. Il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit. Donc on verra bien. Au pire, si j'ai des frais de douane, je paierai de toute façon. Hein. Je le paierai, j'aurai pas trop de choix. Maintenant, j'espère que ce sera pas le prix du calendrier. Et quoi, parce que alors là. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais réfléchir à quoi faire. Je vais glander en réfléchissant, je crois. Je devais filmer mon décloteur aussi. Je voulais le faire ce matin, mais je pense que ce sera pour demain parce que là. Je vous jure que j'ai la motivation d'une huître là. J'aimerais bien donner des. Ah oui, hier j'ai nettoyé les blattes aussi. Ah, qu'est-ce que c'est chiant à faire ce truc-là. Parce que pour toutes les attraper, c'est chiant. Mais au moins c'est fait. Donc je suis tranquille un petit bout de temps. Par contre, qu'est-ce que c'est costaud ces saloperies là. J'oublie de les nourrir les trois quarts du temps et il n'y en a pas une seule qui a crevé. Hein. C'est du costaud le bazar. Hein. Voilà, voilà. Allez. Bon, bah écoutez, sur ce. Avant de vous foutre la flemme aussi, parce que là j'ai une flemme plus, on va switcher de jour. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Miss Patate. Elle a un an. Mmh. Oh oui, attends, parce qu'on ne voit pas. Elle a un an, Miss Patate. Dis bonjour les gens. Bonjour les gens. Ça passe trop vite. Bon, c'est aussi l'anniversaire de ma belle-sœur, accessoirement. Mais voilà, c'est les un an de ma mémère. Ça passe trop vite. Le 24 décembre, ça fera déjà un an qu'elle est à la maison. Ah oui. C'est Manon qui me l'a rappelé en m'envoyant un message pour lui souhaiter bon anniversaire quand même. Parce que j'avais zappé. Oui, mais t'es pas obligé de me pousser. Je voulais juste montrer aux gens que c'était ton birthday. C'est ton birthday anniversaire. Oui, t'as un an. T'es presque une grande. Oh là là, t'es presque une grande. Regarde là. Là, là, là. Regarde les gens. Regarde les gens. Taré. Taré, taré, taré. Allez. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. La robe là. Alors, il est 16h, je vous prends jamais si tard. Mais là, il faut que je vous montre les dégâts quand même. Parce que depuis ce matin,
On est occupé avec Georges à esponger, jacouille tout le sol. Parce qu'on a une inondation, il y a des fuites, on ne sait pas d'où ça vient. Tous les robinets sont coupés. Et ça coule toujours autant. On ne sait pas de où, on n'entend pas couler en fait. Enfin, je vous montre. Donc faites pas attention au bordel, on a tout mis en hauteur, hein, parce que ça va jusque sous mon bureau. On a toute la cuisine inondée et les chiottes qui sont dans la buanderie aussi. Ça vient jusque là. Plein en dessous de la table. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a plein en dessous de la table. Là, on a Georges qui esponge. Dis bonjour, Georges Jacouille Espongeur. Voilà, j'ai pas le temps. Il n'a pas le temps. On a de l'eau jusqu'ici. Ça vient jusqu'en dessous de mon ordinateur et jusque près de mon canapé. Voilà, il y a de l'eau partout. On a essayé de mettre en sécurité un maximum de trucs, mais comme l'eau va jusque-là, on ne sait pas si ça va fonctionner. Voilà, notre journée. J'ai été à la sieste à 13h, je crois. Je veux pas te dire. Ouais, vers 13h, il y avait presque plus d'eau. C'était encore un peu humide et tout ça, parce qu'on avait tout espongé, tout raclé et tout ça. J'attendais que ça sèche. Je me suis dit, cool, ça coule plus, je peux aller me coucher. Je suis redescendue. Catastrophe. J'aurais pas dû aller dormir. Donc voilà, super journée à esponger. Heureusement que Georges est là, hein, parce que là j'attends et il est 16h, donc j'espère que Chérie va rentrer tôt, qu'il regarde d'où ça vient, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas une fuite de canalisation, mais on ne sait pas. Comme ça, il faudrait filmer la journée entière pour toutes les réflexions à la con qu'on se fait. J'avoue, mais j'avais pas le temps de filmer, et là je dis, je prends quand même 5 minutes pour vous montrer les dégâts, parce que c'est bien beau de vous le dire demain, mais si ça fuite plus, vous n'avez pas le visu avec, donc voilà, j'ai filmé. Georges, un dernier mot pour finir la journée de vlog en beauté. Super mes vacances. Super ses vacances, bah oui, le pauvre. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai été le réveiller ce matin. Bon, je t'ai pas réveillé trop tôt non plus, hein. Il était quoi, 11h, 11h30? Ouais, d'ailleurs mon réveil ne m'avait pas réveillé. Parce que moi je me suis levé à 5h01, bah, je vous l'ai dit, hein, et je sais pas à partir de quelle heure ça a commencé, mais d'un coup je regarde, je vois un peu d'eau, je dis merde, j'ai dû renverser la casserole d'eau qu'il y avait dans l'évier. Parce que j'avais mis tremper la casserole de sauce tomate. La photo du vlog. Donc j'ai essuyé. Photo du vlog. Mais j'ai déjà fait sa miniature. Et après j'avais l'eau partout. Voilà. Donc autant vous dire que demain je ne saurais absolument pas bouger parce que là je crève de mal les mains à force de tordre les torchons. Parce que c'est pas pour rien que j'ai un mob avec un seau qui sort tout seul, c'est justement pour pas me faire mal les mains. Et le dos, parce que je suis à quatre pattes, enfin accroupie depuis ce matin. Je n'en peux plus. Voilà. Allez, à demain. Alors, je viens de finir de tourner ce make-up et il est 10h. Voilà. C'est une vidéo que vous aurez bientôt. Alors, pour les inondations, eh ben, on en a chié hier avec Monsieur Georges. Hein. On a spongé Jacouille toute la journée. Je n'en peux plus, j'ai une tendinite, je vais aller remettre mon attel quand j'aurai fini de filmer. Donc on a spongé, 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 et en fait c'est la canalisation qui part de la toilette en bas, heureusement qu'on a une toilette en haut parce que la toilette est condamnée pour l'instant, jusqu'à l'évier de la cuisine qui est bouchée. Et du coup comme il pleut, ça remonte. Et Chérie me dit, ça ne devrait pas déborder demain, donc il m'a dit ça hier soir, s'il ne pleut pas. Et devinez quoi? Il pleut! En écoutant. Donc là, je prie pour que ça ne déborde pas, je vais vérifier régulièrement. Lui, il a mis la ventouse sur le truc, il a enlevé le chiotte, il a mis la ventouse sur l'évacuation, et on a mis des torchons pleins autour. Donc je vais aller vérifier, comme ça, si ça commence... J'ai un cheveu qui m'emmerde. Si ça commence à couler de trop, ben, j'y sortirai vite les torchons de là pour, en espérant ne pas en avoir jusque dans le salon. Parce qu'hier, c'est venu jusque dans le salon, jusqu'à mon bureau. Alors, j'ai vite surélevé les prises de mon PC, enfin de mes PC et tout ça, parce que j'avais peur, quoi. Mais on a spongé toute la journée. J'avais le dos et les mains dans un état pas possible. J'ai été me coucher, il était 9h15. Je me suis réveillée à 1h30 du matin, jusqu'à 2h40, je crois, à cause de Riley qui pétait son câble en bas. Elle était en train de jouer, de faire chez Gougou. Voilà. Et j'ai été me recoucher jusqu'à 6h30. Ouais, quand même. Là, j'attends, j'ai mon calendrier Glam Shop qui arrive aujourd'hui. Voilà. Bon, je dois quand même attendre décembre pour l'ouvrir, hein, mais... Et voilà. Bref.
Donc, je vais vite faire une petite rotation make-up avec vous, juste pour changer bronzer et blush, hein, puisque le reste, vous savez que... Enfin, et highlighter, hein, vous savez que je garde tout le temps la même chose dans mon panier. Donc, pour enlever mon blush Evil Queen, le KVD, je les enlève tous, hein, je prends tous les autres. J'en avais encore un, j'avais le Tarte aussi. Il est passé où, mon petit Tarte? Ah, il est là. J'avais un mini Tarte Harmony. J'enlève le bronzer, donc, qui était le Corazona. J'enlève, incroyable mais vrai, la palette KVD Alchemist. Alors, vous allez voir que celle-ci, je l'ai saignée. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un petit décloteur, du coup, je vais enlever l'autre parce que je vais laisser celle-ci. D'ailleurs, j'ai utilisé un highlighter, là, j'ai utilisé celui-là aujourd'hui. Et oh my god. Oh my god. Oh, j'espère que vous voyez bien, mais là, je pétouille. Je pétouille de chez pétouille, hein, un truc de fou. Donc du coup, je vais enlever tous les autres highlighters que j'ai quasi pas utilisés. Le focalier, je ne l'ai même pas utilisé du tout, je crois. Voilà. Et le reste, c'est la... le classique qui reste dans mon truc. La base, je vais en préparer une autre parce que celle-ci est presque finie et il faut que j'utilise absolument ma Catrice Sensationnelle. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée d'ailleurs. Hein. Mais j'en ai encore une en backup, je ne l'avais pas vue. Donc je vais utiliser celle-là une fois qu'elle sera finie. Poudre et tutti quanti, j'en ai encore. Alors, en bronze, je vais ressortir mon Lady de chez Catrice parce que je l'aime. En blush, j'essaie de regarder un peu à dès que j'ai pas utilisé depuis un certain temps, ce qui est pas évident, hein, parce que voilà. En blush, alors j'aime toujours bien avoir un rosé, un lumineux et un abricoté, mais je pense fortement que je vais ressortir ma petite chérie d'amour, la Olala de chez moi. Voilà, bon, il y a un highlighter, mais il y a 5 blushs canon, et comme ça j'ai un highlighter vraiment neutre, si je veux, pour des make-up moins sophistiqués. Voilà, donc je... De toute façon, si je devais garder qu'une palette de blush, je vous garantis que ce serait celle-ci. Ben voilà, écoutez, je vais pas mettre d'autres choses parce que là, j'ai deux palettes highlighter et blush. J'ai un bronzer qui est énorme. Quand je vous dis énorme, c'est énorme. Hein. Il fait 8 grammes, je crois. Non, il fait 6 grammes. Donc j'en ai assez. Ouais, voilà. Ben ouais, on est bon. Voilà, vous voyez que c'était vraiment un tout petit, une toute petite rotation. Mais au moins, j'ai la base. Ah tiens, je vais ressortir celle-ci un peu. Ah, aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et voilà, ça me manque d'illuminer mon dessous de yeux, mes zones de lumière et tout ça. Voilà, et je vais en profiter pour redescendre ma teinture pour les sourcils parce qu'il faut que je retente mes... Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je n'ai rien de spécial à vous dire. Demain, on fera un petit bilan du contour des yeux pour vous faire le avant-après. Je vous donnerai le planning. Et voilà, tout simplement. Donc sur ce, sauf si on repatauge dans notre petite pataugeoire privée tout à l'heure, on se jure. Oui, j'ai un pull de Noël. Un stick. En même temps, j'ai tellement de trucs de Noël que si je les mets que à Noël, je les mettrai pas beaucoup. Hein. Bref. Donc, il est 6h30. 6. Hier, quand je vous ai laissé, je suis redescendue, il y avait de l'eau. Putain. Heureusement, ça a pas trop fouetté parce que le temps a été clément, il a arrêté de pleuvoir. Donc il n'y a pas eu trop d'eau. J'ai dû juste esponger Jacouille une fois. Et du coup, chéri a été, en rentrant du boulot, il a été acheté un Karcher avec le truc exprès, le kit de débouchage de 20 mètres.
pour déboucher la canalisation. Et quand il est rentré, il a fait ça. Et alléluia, ça ne coule plus. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, il pleut comme vache qui pisse. Voilà. Donc, hier, j'ai reçu mon calendrier Glam Shop. Je vais vous montrer juste après. Il faut que je range ma table maintenant, parce qu'il y a plein de bordel. Surtout que j'ai fait des bricolages hier. Je ne sais pas si vous voyez... Vous verrez ça pendant le bilan. Mais ça sera qu'en novembre, puisque je ne sais pas le programmer ce mois-ci. Donc, je vous ferai octobre et novembre, hein, en novembre. Voilà. On va commencer par le contour des yeux Illume. Je vais le refaire une fois avec vous, voilà, pour le duo. Et on fera un petit avant-après. Ça y est, j'allume la caméra, elle va faire chier, Gougou. Tu les laisses tranquilles. Gougou remonte. Ces deux-là, ils ne savent pas se voir. En même temps, il est tout le temps en train de les emmerder. Hein. Donc, je vais commencer par le sérum. J'aurais pu zoomer un petit peu. Bon, c'est vraiment un peu... Mais je me concentre puisque je suis dans le retour écran. Donc j'en mets bien partout. Contour des lèvres aussi, hein, profitons-en. Là où ça pendouille un peu. Voilà. Ah. Franchement, c'est super hydratant. Hein. On sent l'hydratation, c'est un truc de fou. Donc franchement, ce produit, rien à dire pour le sérum. J'aime beaucoup l'effet qui procure, la sensation de fraîcheur et d'hydratation là. Ça réveille tout de suite, on sent qu'on a les yeux un peu plus réveillés. Maintenant, j'ai toujours les yeux très rouges, hein. En même temps, je l'ai levé depuis 5h30 encore. Alors, pour la crème contour des yeux, le seul point négatif que j'ai, c'est le packaging. En format pompe, ça va pas du tout. Parce que le câble de la pipette, je sais pas comment dire, il est trop fin et la crème est un peu trop épaisse. Elle reste vraiment collée aux parois. Donc je m'en sers comme applicateur en fait. Hop. Et hop. Et ça donne. Un peu plus ici. Ça donne une bonne quantité suffisante pour faire votre contour des yeux. J'en ai un peu plus. Donc hop. Voilà. Mais alors pareil, hein, on sent l'hydratation. Et je vous dis après, j'ai le contour de l'œil tout lisse. Contour des lèvres. Hop. Et on fait pénétrer en potant, potant, potant. Et il est fou le bordel. Oh, il est descend. Putain, elle va en fou le bordel. Voilà, voilà. Donc je vais laisser pénétrer quelques secondes. Je vais vous donner le planning pendant ce temps-là. Putain, j'ai les carreaux dégueulasses, faut que je les lave. Donc, lundi, mardi, les deux derniers make-up d'Halloween. Mercredi, une palette de make-up, donc avec Manon, hein, comme d'hab. Et la palette Sigma Alice in Wonderland. Vendredi, le 3 Colors Challenge 2. Donc c'est de la Fimo. Enfin, de la pâte polymère. Ce sera le dernier DIY, sauf ben, par exemple pour Noël, j'en ai prévu d'autres, sauf à l'occasion, vous voyez, mais je ferai des bilans, comme je vous ai expliqué, je ferai des bilans plutôt que des vidéos DIY, et donc dimanche le vlog, voilà. Novembre, il n'y aura pas de vidéo tous les jours, parce que j'aimerais bien après pouvoir vite attaquer Noël pour pas être en retard. Et pour Noël, j'ai demandé à ma nièce Cassie si elle voulait bien refaire une nouvelle édition de Magnus me maquis, puisqu'on les a fait. Alors attendez, j'ai noté. Vous l'aurez vu grandir aussi, comme ça, c'est trop marrant. J'ai noté, mais je ne sais plus où. Ah oui. La première, on l'a fait en 2015, en juillet 2015, donc avec mes deux nièces, Indy et Cassie. On l'a refait le 9 février 2019, avec juste Cassie. Et là, on va le refaire en 2023. Et c'est génial parce que ça fait à peu près tous les 4 ans comme ça.
Et elles vont être trop chouettes, quoi. Voilà. Et vous verrez comme elle est belle. Je suis très zoomée encore hein, pour vous parler. Mais bref, voilà. Ouais, comme ça, après, je peux attaquer le calendrier de l'avant de décembre. Les vidéos que je préfère tourner sur l'année. Bien que ça ne change pas grand-chose, hein. Il n'y a pas énormément de différence, mais j'adore cette période, je crois que vous l'avez compris. Voilà. Bon, on va faire le avant-après. Je vais rezoomer encore un peu. Je ne sais pas si vous voyez une différence, je vais essayer de vous mettre les deux au montage, hein, un en haut, un en bas. Ouais, c'est vachement... Je sens que c'est tout lisse, mon contour de l'œil, c'est impressionnant. C'est tout doux, tout lisse. Bon, les poches, juste que je dors, c'est pas de la magie non plus. Hein. Côté anti-rides, je sais pas trop, c'est pas vraiment en 5 jours de test qu'on peut se rendre compte. Mais franchement, c'est prometteur. Hein. Donc, c'est un bon contour des yeux. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Pour des produits naturels, je trouve ça sympa. Voilà, en tout cas, il lisse et il illumine, ça, je l'ai vu dès la première application, et là, je vous le reconfirme. Le seul petit bémol que j'ai à dire, c'est par rapport à l'épaisseur de la pipette à l'intérieur, qui ne prélève pas assez de crème, mais vous avez vu, en tant qu'applicateur. En fait, il ferait mieux de mettre un applicateur, vous savez, juste une toute petite spatule, ça serait beaucoup plus facile. Donc, je vous rappelle les infos, prix et tout ça. Vous avez le lien en barre d'infos, qui est un code affilié, un lien affilié. C'est à 23,99€, donc le duo. Et vous avez donc les 20% avec le code qui est également en barre d'infos. Voilà. Jusque quand, je ne sais pas, la personne ne m'a pas dit. Mais comme ça, vous savez. Vous avez toutes les infos et ouais, je peux vous le recommander sans aucun souci. Alors, je vais vous montrer mon calendrier de l'avant Glam Shop. Je vous mets le lien également en barre d'infos. On va d'abord regarder s'il est encore dispo. Je vais quand même vous le montrer, hein, même s'il n'est plus dispo. Mais comme ça, je vous le dis tout de suite parce que je sais que ça part assez vite, hein, ce genre de truc. Alors. Il est toujours dispo au prix de 109,80€. Il me semble que je l'ai eu moins cher, moi. Je ne sais plus. Une sorte que j'ai... Ben, attendez, je vais aller voir sur mon compte à moi. N'oubliez pas qu'il y a la livraison qui est assez onéreuse hein, chez eux. Ça, c'est assez cher. Est-ce que j'arrive à voir mes... Là. Attendez, hein, parce que... ouais, c'est celle-là. Oui, je l'ai eu à 108,08€. Je ne sais pas pourquoi c'est des prix comme ça. Et la livraison est à 8,80€. Voilà, comme ça vous savez. Mais ça a été hyper vite pour le recevoir. Ils les ont envoyés quand Détail. Le 23. Et je l'ai reçu hier. 26. Donc 3 jours. Arrive à la maison. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, il se présente comme ça cette année. L'année dernière, il était vert. Je vous remets en barre d'infos le crash test et le bilan des calendriers de l'année dernière. Comme ça, ça peut toujours vous donner une idée. Cette année, il y a des soins dedans. Glam Skin, ils ont sorti, enfin Glam For Skin, ils ont sorti une gamme de soins et du coup, ils ont ajouté des soins dedans. Et voilà l'intérieur. Donc, c'est le même que l'année dernière, sauf qu'il est bordeaux comme ça. Prune, aubergine, ouais, c'est vraiment aubergine et doré. Il est très beau. Il a été un petit peu abîmé ici, mais je pense que ça, c'est le kit de pinceau, vu le format. Donc, il ne devrait pas y avoir de bobo à l'intérieur. Maintenant, sur le mail, c'était bien marqué que si jamais plus tard on avait une plainte à formuler, on pouvait le faire. Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on le déballe, s'il y a de la casse, il y a toujours moyen d'avoir un petit recours. Bon, ils pourront peut-être vous renvoyer le produit, par exemple, vous voyez. Je sais que leur service après-vente, il est au top, de toute façon. C'est vraiment une très bonne marque, pas très cher, c'est polonais. Franchement, j'ai jamais été déçu. Et je vous dis, le calendrier, je l'ai adoré l'année dernière. Donc, j'ai hésité à me le prendre, vu que j'ai déjà craqué sur les deux autres. Mais j'ai pas hésité très longtemps. Voilà. Donc, je l'ai reçu. Je suis bien
contente. Et donc voilà ce qui va clôturer ce vlog, ce spooky vlog. La semaine prochaine, ce sera un vlog classique, hein, c'est plus spooky. Donc, il y aura eu le 30 et le 31, mais ce sera plus un spooky. Comme ça, je vais pouvoir virer tous mes trucs de montage, de mon programme de montage, tout ce qui est en lien avec Halloween. Et voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, je réfléchis. Si à midi, il ne faut pas que j'oublie de téléphoner au restaurant pour réserver pour demain soir. On va au restaurant pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Ouais, sinon, aujourd'hui, je vais changer mes ongles. Il faut que je filme mon décloteur, puisque du coup, avec cette foutue inondation, je ne l'ai pas fait. Et je pense que je vais déjà filmer un DIY de Noël. Oui, j'ai envie de faire de la fimo, et c'est en fimo, donc je pense que je vais le faire. Faut voir. Ça sera probablement ce soir ou ce week-end, je ne sais pas, suivant ce que j'ai à faire, parce que j'ai plein de choses à faire. Encore, je dois ranger, je dois nettoyer, parce que avec toute la flotte qu'on a eue là pendant 2 jours, ben... Bon, vous me direz, ça a déjà nettoyé pas mal, hein. Ça a décrassé. Faut que je prépare pour faire ma machine ce soir aussi. Enfin, voilà. Hier, j'ai fait mes petits DIY. Que pareil, j'avais mis en suspens pendant 3 jours, puisque avec tout ça. Donc, je les ai terminés et tout ça devant mes films de Noël. Là, je me dépêche parce qu'à 7h, ça commence sur TMC. Mais j'aimerais bien quand même aller filmer d'abord le décloteur. Parce que si je me mets devant les films de Noël, le problème c'est que c'est cuculapraline à souhait. Une fois que vous en entamez un, même si vous savez comment ça va se terminer, parce que c'est tout le temps la même chose, vous avez quand même envie de savoir comment ça va se terminer. Forcément. Donc voilà. De toute façon, je les ai mis enregistrés, hein, donc je peux les regarder en différé. Mais il y en a 4 le matin sur TMC, 2 sur TF1 l'après-midi. Il y en a aussi sur les chaînes belges. Mais du coup, je n'arrive pas. Je mets vraiment enregistré les 4 du matin de TMC et les 2 de TF1. Comme ça, ça me fait quand même 6 films sur la journée. J'ai pas le temps. Hier, j'ai pas eu le temps de tous les regarder. Vraiment, je ne peux pas rester ma journée à regarder les films de Noël. Il ne faut quand même pas déconner. Voilà, bon, sur ce, récapitulatif, le contour des yeux, je vous le recommande. Encore une fois, merci à la marque. La semaine prochaine, donc, il y a les 2 derniers make-up d'Halloween et les autres vidéos que je vous ai tournées et enfin, que je vous ai données, dit, enfin, du planning. J'en peux plus de moi. Et voilà, donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On monte doucement, mais sûrement, comme d'habitude. Mais ça fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mon contenu, hein, si vous voulez m'encourager et m'aider. Et mardi, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour avoir mon devis. Ah oui, alors j'ai rêvé. Jerry était mort de rire, hein, parce qu'il me dit, je ne comprends pas comment tu peux rêver un truc pareil, c'est juste pas possible. J'ai rêvé qu'il m'avait dit que mon dentier me coûterait 220 euros. Pourquoi 220, je ne sais pas, hein, parce que je sais que c'est pas possible. Le dentier, la prothèse en elle-même, elle est déjà 650 balles. Donc, maintenant, c'est peut-être 650 balles plus 220, ce qui m'arrangerait fortement. Mais j'y crois pas une seconde. Hein. Voilà, j'espère que ce ne sera pas une fortune, par contre, parce que j'espère que j'ai assez sur mon compte pour entamer les démarches. Voilà, bref. Donc, croisez les doigts pour moi mardi à 16h30. Pour que la douloureuse ne soit pas trop douloureuse. Et du coup, moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.